J'aurais deux ou trois petites choses à vous dire. J'ai fait connaissance avec les chiffres au cours élémentaire, Lindbergh. La maîtresse nous a appris que la Terre était recouverte par 90% d'eau. Et elle n'en est pas restée là. On a su aussi que notre corps était en majeure partie composé d'eau. J'ai classé tout ça dans mes souvenirs. J'habite Oak Park, juste à la sortie de Chicago, à moins d'un kilomètre du lieu de naissance d'Ernest Hemingway. Du haut de mes 40 ans, j'affirme aujourd'hui que l'eau est le produit de base de notre siècle. C'est une denrée précieuse entre tout, parce qu'elle nous est indispensable. J'y pense tous les matins en ouvrant le robinet, et je me dis aussi, qu'adviendrait-il si un matin ne coulait rien, plus rien du robinet? La main qui pourrait redonner l'eau vaudrait alors des millions, rien que pour la refaire couler. C'est ce que j'ai appris au cours élémentaire. Hey Chase, ça vient de sortir, tout en titanium. Chaque serrure possède sa propre clé. 20 dollars que même toi, t'arrives pas à les enlever. Vas-y, amen. Ah ouais, je suis partant. Oh. Tu montes en marche? La connaissance de l'ennemi est la vraie clé de la victoire. Et pas possible, l'inconnu aura raison du plus vaillant. Et donc la réponse est non, hein? La série gagnante est enfin terminale. C'est du sévère. Il est tombé sur un œuf. Inspecteur Chase. Ah bon? Je te rappelle à ce sujet. C'est ça. Bye. On se prend encore pour Houdini? Ça fait 100 fois que je te le dis. Ne t'étonne pas si tu ramasses ce genre de dossier. Filtration maintenant. On va nous envoyer surveiller les parties de bingo du troisième âge si ça continue. Ça t'amuse de fumer ces trucs infects? Des questions, toujours des questions. Où, comment, pourquoi? Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont? Pourquoi sommes-nous là? Donc, tu penses que l'immobilité totale peut nous valoir les réponses? Arrête avec tes rébus, Platon. Allez, dis-moi comment tu t'es débarrassé des menottes. Je veux bien, si tu me promets de dire à personne. Je te le jure. Par magie. Je ne vois pas comment ces gens-là causeraient des ennuis à la communauté. Ils connaissent peut-être ta réputation de super profondeur du crime. Possible. Les chiffres ne correspondent pas. Allez me chercher l'autre flacon. Inspecteur Chase,
Inspecteur Ota, c'est lui, Chase. Ah, bien, Ed Williams, chef d'exploitation. Je propose une visite guidée. Je transmets le dossier à Johnson. D'accord. D'après ce que j'ai vu, les grévistes n'ont pas l'air d'être particulièrement sauvages. Non, pas de reproche à faire de ce côté-là. Ça va moins bien quand un intérimaire se pointe à l'entrée, ce qui est prévu aujourd'hui avec des visiteurs. Quand se sont-ils mis en grève? Il y a près d'un an. Ils ne causent pas de problème, généralement. Mais la dernière fois qu'on a pris un intérimaire, un traiteur pour la soirée de Mélissa, ils l'ont pris à partie. Ils ont bouffé tous les petits fours, et il y en a un qui a mis le pied dans le gâteau. Ça mérite le châtiment suprême. Au moins. Bon, il vaut peut-être mieux que l'un de nous fasse le planton de manière à réceptionner les visiteurs et l'autre suivra le groupe dans l'usine. Je me tape l'entrée. Non, pour une fois, c'est moi qui aurai les petits fours le premier. Que fait-on dans cette salle, précisément? Tout ce matériel est destiné à la purification de l'eau potable. Les toxines, les bactéries, les polluants sont retenus par des filtres. Prêt pour transvasement. Faites passer du bac numéro 3 au numéro 6. Mise en route, transvasement. Bonjour. Mélissa Wilkins, inspecteur Ota et Chase. Madame Wilkins est chef du service épuration. Policier. Juste pour s'assurer du bon déroulement de la visite de cet après-midi. À quelle heure c'est prévu? 14h, c'est-à-dire dans 35 minutes. Mais les visiteurs devraient arriver sous peu. L'un de vous devrait les réceptionner à l'entrée. Oui, inspecteur Chase. Je crois que je vais les attendre ici. Toi, tu pourrais aller à la porte. Parfait. Merci. Je vous en prie, cher collègue. Vous venez, monsieur Chase? C'est un drôle de boulot. Les gens s'imaginent pour la plupart que l'eau l'aurait dû. Triste destin pour la créatrice de toute vie. Inspecteur, le port du casque est obligatoire pour la circulation dans les niveaux inférieurs. Oh, je préfère rester ici. Voyez Mélissa, si vous en voulez, hein. Je préfère inspecter les niveaux inférieurs, tout bien réfléchi. Oui, c'est plus prudent. Je ne sais plus qui a dit « Toute réflexion commence ou finit par un bruit simple. Il est dans l'écume sans cesse recommencé, de l'eau tombant en cascade. » Très jolie maxime. Les Japonais disent « Le moindre filet d'eau charrie une légende. » Merveilleux. De qui est-ce? Un dénommé Busson. Il s'est noyé, je crois. J'ai livré pour Ralston Sécurité. Je cherche Madame Wilkins. Elle est allée respirer l'air de la campagne. Ah, merci. À vous pour un casque. Attendez-moi là, s'il vous plaît. Vous voulez pas savoir quelle couleur je préfère? Ce serait pas mal assorti à mes yeux. Ok. C'est votre mari? Non, non, mon ex-mari. Et vous, inspecteur, vous êtes marié? Appelez-moi David. Une femme de flic attend gentiment à la maison? Oui, dans son pot de confiture. Avec mon fils, mon chien, mon chat de flic, évidemment. Vous m'excuserez, je ferai mieux la prochaine fois. J'espère. Ce casque, on y va? Bonjour, c'est pour la visite. Vous pouvez entrer. Je me garde là-devant? Non, attendez que je vous ouvre. Le parking est à gauche. Je vous demande un instant. Waouh! On a tout un régiment aujourd'hui. Dans votre propre intérêt, je vous demanderai de ne pas toucher au matériel, ni de trop vous en approcher.
qui pense en se brossant les dents ou en se lavant les mains à la qualité de l'eau. L'eau doit être pure. Celle provenant du lac contient des bactéries, des microbes, et c'est ici au complexe de traitement Harold Adams que nous débarrassons l'eau d'éléments pouvant constituer un risque mortel. Bon, la visite va commencer. Vous êtes resté marié combien de temps ? 2 ans. Votre couple a tenu bon 23 mois de plus que le nôtre. Pourquoi gardez-vous ce médaillon si ça a été un tel désastre ? Bonne question. Parce que c'est le seul geste amoureux qu'il n'ait jamais eu. Nous nous trouvons dans les salles de filtration. L'odeur qui vous rappelle sans doute les piscines municipales est due là aussi au chlore, partie intégrante du traitement des eaux. Cela dit, la première étape du processus d'épuration s'effectue ici même. L'eau est pompée directement dans le lac. Veuillez m'excuser de vous couper la parole, mademoiselle Lizzie, je crois. J'espère que personne ne m'en voudra, mais une question, disons, une demande pour être plus précis. Oui. Veuillez avoir l'extrême gentillesse de poser vos mains sur la tête. C'est un vrai pistolet. Un gros, gros pistolet. Profitez que vous ayez encore une tête pour y poser les mains. Posez les deux mains sur votre tête. Merci. Salle de contrôle, maintenant. Salle de contrôle. Pogo, rassemble tous les employés, enferme-les dans le local des produits chimiques. Et toujours gentiment, dis-leur que leur chance de vivre vieux augmentera au cours des 4 prochaines heures s'ils font ce qu'on leur dit. T'es mignonne, toi? Comment tu t'appelles? T'as bien un nom, tout de même. Oui, Sophie. Ah, et dis-moi, Sophie, quel âge as-tu? J'ai 11 ans et demi. Laissez cette petite tranquille. Vous lui faites peur. Ça a été un mauvais âge pour moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de Saint-Luc? Les mains bien visibles sur la tête, et rapprochez-vous les uns des autres. Saint-Luc, il cite dans son évangile ces paroles du Christ. Si tu veux monter au ciel, il faut d'abord être un enfant. J'avais l'âge de Sophie quand j'ai entendu ça, et le lendemain même, je devenais athée. Je me suis juré que dans la vie, je ne reculerai jamais. Plus un regard vers le passé. Bref, écoutez-moi, et faites bien tout ce que je vous demande, sinon vous allez voir qui montera au ciel avant. Rapprochez-vous, plus près. Parfait. Mais ça va pas ? Assieds-toi ! Allez, allez, suicide, gentil toutou. Prise en main, salle de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À quelle centrale vous appartenez ? Écoute-moi bien. Tu dis un seul mot de plus et je te fous ta langue dans la poche, compris? Bon, laissez faire par ce con. Qu'est-ce que l'ex-madame Chase appréciait surtout en vous? Je lui faisais des omelettes au fromage somptueuses. On bâtit rarement un couple solide sur des omelettes au fromage. On en reparlera quand vous aurez goûté la mienne. Tous les ouvriers ont été regroupés. Ils sont dans le local des produits chimiques. Bien, ils ont été obéissants. Tu parles. Ok, me note tout cela. Bon, qui a un téléphone portable? Téléphone cellulaire. Radio-téléphone. Attention, je descendrai quiconque cache un téléphone. Menottez, Pogo. C'est bien entendu? Mi-tour, vite! Bouge pas! Comprenez-toi! Pas de discussion! Dernière pièce de notre puzzle. Turner, vous êtes là? En pensée, en corps et en esprit. Porte d'entrée, exécution. Pogo, comment se tiennent nos hôtes involontaires? Tranquille. N'hésite pas à recourir aux grands moyens si besoin est. Tu sais comme j'ai horreur des grandes gueules. Voie d'accès. Entrée principale. Wally, ça roule? Tout est bouclé, Samy? Comme tu le vois. Montez-y, appelle Banjo et Sparky. Progression normale? Répondez.
En place, on attend les ordres. Vous pouvez y aller. La classe. De la couleur de votre casque. Hé ! C'est fermé. C'est quoi ça ? De quoi faire sauter la porte ? C'est pas possible. Porte et issue piégée, montez-y. Les clés, messieurs. S'il vous plaît. Donne au monsieur. Je regrette. Je ne peux pas faire ça. Les clés, maintenant. Coupe. Non, je vous en conjure. Si vous coupez, toute l'eau potable va être empoisonnée. Coupe. Alerte, coupure des circuits. Turbine 1 à 4, fonctionnement interrompu. Quelqu'un coupe les turbines, il faut intervenir. Turbines 5 à 8, fonctionnement interrompu. Les turbines ? Oui, elles alimentent le réseau urbain en eau potable. Et il ne faut que 4 heures pour tout contaminer si on n'intervient pas. Hé, hé, hé ! Où allez-vous ? Alerte, alerte, coupure des turbines 1 à 8. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que l'alimentation des turbines a été coupée. Ouvrez-moi. Fonctionnement turbine totalement interrompu. Le numéro d'usine. 3 x 5, 34, 84. Ça ne répond pas. Méfiez-vous. Je crois que ça vaut la peine d'essayer. C'est loin d'où ils sont entrés, ils ne doivent pas avoir eu le temps de la piéger. Oui, c'est possible, mais on risque de se retrouver encore plus loin si ça explose. Non. Le lieutenant Rogers, Ota, je crois qu'on a un petit problème. Foncez au poste de garde et vous expliquez à mon collègue. Pas question de vous laisser seul. Et je suis un grand garçon. C'est un vrai labyrinthe là-dedans. Sans moi, vous vous perdrez. Ah bien. Alerte. Contamination dans 3h45 minutes.
FSA ne sont pas de simples grévistes. Dispositif très sophistiqué, ces chiffres correspondent à des fréquences. Les autres doivent être sur la même fréquence et il suffit d'interrompre la chaîne pour que tout le reste explose. D'où tenez-vous ça? Oh, c'est moi qui ai tout mis au point. Je plaisante. Sachez que comme mon père et mes frères, je suis ingénieur. J'ai quelques connaissances en électrodynamique. Assez pour le désamorcer. Nul ne peut intervenir à ce niveau. Ou ça explose, ou le désamorçage s'effectue en aval du dispositif. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Enlevez-moi ça. Ça fait sale. Ça y est, les cuves sont pratiquement vides. Bon pour la phase 2. Turner, à vous. J'attends la deuxième phase avec une impatience non dissimulée. Allez-y. Bye bye, toute la famille. Tonton Marc s'en va. Je n'avais qu'une envie, visiter le musée du Louvre. À mon grand regret, je vais devoir vous quitter parce que mon nouveau patron m'a accordé un congé exceptionnel. Je voulais pas finir mon existence sans avoir visité le musée du Louvre. J'enverrai pas de carte postale. Non. Trop tôt. Il va falloir répondre tout de même. Une seule personne est habilitée à donner des ordres. Vous m'avez compris? Qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là? C'est à vous de décider. Voilà! Vous êtes moins bête que je ne le pensais. Ça vous vaudra peut-être le sursis. Il nous emmerdera plus. Parfait. Sam, tu prends le relais. Viens, Wally. Avoir l'air reconnaissant. Vous, monsieur? Oui, vous, d'où venez-vous? Du Wisconsin. Ah, du Wisconsin. C'est la région du fromage, Pogo. Quand vous serez de retour chez vous, tout en remuant le lait qui fera le si bon fromage, avec quoi comptez-vous le plus épater les copains? Le récit passionnant de cette prise d'otage ou de vagues histoires d'épuration d'eau, hein? Je suis cardiaque. Je vous demande d'en tenir compte. Estimez-vous heureux? C'est moins radical qu'un empoisonnement au plomb. Sparky, Wally, répondez! Sparky, Wally, où en êtes-vous? Répondez! On a presque terminé. Activez le mouvement, les gars. Chaque minute est précieuse. Je suis passé par le Wisconsin. J'étais au motel Stam sur la 22e. On a fait un festival. Marquis, on attend après soir. Je rappelle, Kevin. Bon, on sait. Exactement là. Grouille, grouille, Sparky, on prend du retard, là. Oh, Pérole, t'en as jusqu'à la fin de ta vie. Ça se gâte sérieusement.
Où est le téléphone? Pas très loin, suivez-moi. C'est assez grand pour toi? Ça va, Wally, laisse tomber. Il me faut une heure pour poser les charges. Bouge pas d'où tu es. Hey, montez-y. J'écoute. Sparky sème ses miettes de pain. Turner, la vie est belle. L'affaire, c'est moi qui parle. Vous perdez un temps fou. Rappelle à tes pieds que le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Merci pour la leçon de géométrie, monsieur Turner. Terminé. Bon, alors ça vient? Activez! C'est pas le moment de s'endormir, activez! Plus vite, plus vite! Attention à vous. Alerte, contamination dans 3h30 minutes. Messieurs, je vous demande une minute d'attention. Comme vous l'avez sans doute constaté, quelques incidents ont perturbé le cours de votre visite. Il me semble préférable de faire une mise au point. Ce que vous voyez là, c'est une charge explosive, plus communément appelée bombe. Nous en avons éparpillé une bonne douzaine dans ce merveilleux complexe. Ça, là, c'est un détonateur. Cette petite chose, comme moi, est d'une complication diabolique. En fait... Non, ce n'est qu'une démonstration. En fait, disais-je, toutes les bombes sont reliées au détonateur et en cas de contact, explosion générale. C'est-à-dire que vous, moi, Pogo, le reste, c'est bonjour Saint-Pierre dans la demi-heure. Donc, si quelqu'un tente de pénétrer dans les lieux, badaboum. Si un héros est assez fou pour tenter une quelconque manœuvre, badaboum. Si le malheur veut que je tombe, la connexion s'opère et... badaboum. C'est pourquoi je vous demande une petite prière à mon intention. Inclinez-vous respectueusement, messieurs-dames. Baissez vos foutues têtes de mécréants!
Excusez cet écart de langage. Seigneur, nous t'implorons de protéger le tueur fou, seul maître des bombes, afin que demain, nous puissions poursuivre notre pauvre petite vie. Amen. 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 Plus fort que ça. Amen. Que la paix soit avec vous, mes enfants. Entrée principale. Salut. On a pris position devant l'usine. Ouais, c'est calme pour l'instant. Rien à signaler. J'ai interrogé les grévistes, je ne pense pas qu'ils soient mêlés à cette affaire. Je crois aussi, mais il se peut que des éléments subversifs essaient de mettre le feu aux poudres. Ou qu'il nous manque un chaînon. Par ici, suivez-moi. C'est le poste qui permet d'appeler en longue distance. Il faudrait que j'arrive à inverser les contacts. Avec de la chance. J'ai la tonalité. Super. Trois voitures de renfort dans les minutes qui suivent. Ordre priorité. Ota. Pete, Dave. On est dans le caca, mon pote. Ouais, j'avais cru le comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Des types ont investi le complexe. Toutes les issues sont piégées. Effectif ennemi? J'en sais rien, il y en a déjà un de moins, mais il en reste qui détiennent des otages. Une équipe de déminage est déjà là, par où peuvent-ils entrer? Doucement les basses. Toutes les issues sont piégées, si l'une saute, les autres suivent. Je crois même que les cheminées sont truffées. David, tu ne pourrais pas bloquer les galeries qui sortent du complexe? Une seconde. D'où peut-on bloquer les galeries extérieures? Salle de contrôle. La salle de contrôle. Y a besoin de moi? Sparky aura atteint l'objectif dans 10 minutes. C'est bon. Merde! Quelqu'un sert du téléphone au rez-de-chaussée! Bah, je croyais que t'avais coupé toutes les lignes. C'est ce que j'ai fait. Vérol, c'est pas vrai. Comment ça se fait que je n'arrive pas à établir le contact? Je t'écoute, papa. Dis-moi pourquoi. J'en sais rien. Quoi? Je ne sais pas pourquoi. Tu sais pas? Non. Si tu ne sais pas, il va falloir vite le deviner. Pourquoi ça déconne? Wally, s'il te plaît. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Passer par l'interurbain. Allez lui dire. Comment ça se passe pour les otages? Ils sont bloqués dans la salle d'épuration et reliés à des charges explosives. D'où il vient, ce connard? Ne fais rien pour le moment, le QG va me transmettre ses ordres. Ouais. Ce bâtard est au rez-de-chaussée, niveau 2, au bout de l'usine. Ça sent le flic à plein nez, une odeur désagréable. Et tu te débrouilles pour l'éliminer? C'est fait. C'est pas possible, on nous a dit qu'il n'y aurait pas le moindre policier. Monsieur va t'expliquer. Ça continue. Impossible de contacter Banjo. Pas croyable! Un putain de flic! Monsieur, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Qui est à l'appareil? Ota, qui êtes-vous? Steve Johnson, un employé. Ils ne m'ont pas vu. J'ai entendu parler, mais ils ne sont plus là. N'ayez crainte, on va prendre des dispositions. Qui? On,
La brigade criminelle, planquez-vous et ne bougez pas en attendant. Bien, monsieur. Montez-y, répondez. Je t'écoute. Va falloir creuser la tête parce que les emmerdements vont commencer. Il semblerait que le crime parfait prévu au départ ne se résume plus qu'à un coup bien organisé. Branche ton système d'enregistrement des conversations. Quant à vous, dites-leur d'abord qui vous êtes et prévenez-les que je n'hésiterai pas à tuer un des otages s'ils s'amusent à pirater nos communications. Ici Ed Williams, le chef d'exploitation. Ils me chargent de vous dire qu'ils n'hésiteront pas à abattre l'un de nous si vous piratez leurs conversations. Tu précises également que toutes les issues étant piégées, ils ne tentent pas un assaut stupide. Vas-y. Toutes les issues sont piégées, pas d'assaut stupide. Ils veulent savoir comment vont les otages. Eh bien, le pauvre gars que j'ai tué n'aura pas froid aux pieds l'hiver. Grâce à toi, tu leur apprends la bonne nouvelle et tu raccroches. Ils ont déjà tué l'un de nos employés. Et je dois vous... quitter. Parle-moi un peu de ce flic. Je vous ai déjà dit qui c'était. Je l'avais appelé au cas où les grévistes tenteraient de faire du désordre. Je pensais que vous étiez venu pour ça. Mais je vois que je me suis trompé. Les grévistes se conduisent en humains. Cette opération est dédié aux travailleurs opprimés à travers le monde. Dans toutes les professions, les ouvriers se font sucer les sangs par les patrons. Ces mêmes patrons qui ont tendance à trop parler, beaucoup trop parler, et surtout à l'ouvrir quand il ne faut pas. Monsieur le directeur. Alerte, contamination dans 3h15. Entrée principale. Montez-y. J'ai retrouvé Banjo. Et alors? Ratatiné. Retrouve le salopard et avant de le plomber qu'il souffre. Saloperie. Probablement sauvé par là. Ces galeries vont où? Elles vont pratiquement dans toutes les directions. Elles forment le réseau urbain, mais d'autres vont jusqu'au lac. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Faut piquer le détonateur à cette espèce de bargeau. Pour les obligations de l'Oregon. Et pour les ponts du trésor, le gros morceau. Je sens que mon déjeuner va passer à l'as. Faut se contenter de sandwich quand ça bourre. Conscience professionnelle et sens du devoir. N'enregistre pas. Oui. Lieutenant Rogers, qui est à l'appareil? Mon nom n'a aucune importance, mais ce qui risque d'en avoir, c'est la vingtaine d'otages que je détiens. Évitez tout contact au cours de la prochaine demi-heure, parce que si vous insistez, il n'y aura plus d'otages à retrouver sinon en morceaux.
Je n'ai pas envie de discuter avec ses propres Ariens avant une heure au moins. Pas avant d'avoir intercepté le flic qui se balade. Sparky, j'aimerais savoir où tu en es. Sparky, répondez! Je suis sous le hall d'entrée. Il y a eu un petit changement de programme. On commence à prendre un peu de retard. Reviens à toute vitesse dès que tu auras terminé ton boulot. Pogo passera prendre la livraison comme convenu. Combien ça fait? 17. D'accord. En attente. Vous êtes malade, c'était pas nécessaire. Ne fais pas de soucis pour eux. Leur syndicat leur offre une superbe assurance vie. Mais enfin... Il n'y a pas d'enfant au travail. Viens voir Sparky. Regarde bien. Quoi? Ce qu'il y a sur l'écran. Ok. Ce sont les numéros d'obligation légale. Ça m'a coûté un maximum pour les avoir. À partir de maintenant, ces bons ne vaudront absolument plus rien. 32 liasses vont se retrouver à leur place, c'est-à-dire 64 millions de dollars. Ouais, ouais. Mon seul regret, c'est que je ne serai pas présent quand un gamin se présentera au guichet de la banque encaissé un bon offert à Noël par sa vieille grand-mère. La banque lui dira qu'il est non valable. Et je lui ferai comprendre de quoi le monde est fait réellement. Il m'en remerciera quand il sera plus vieux. Faut que je me sauve. Pogo ne va pas tarder. Ah bon sang. Si près du but, j'y croyais plus. Envoyez Pogo, on a tout le paquet. Ah, oh, elle cause paumée dans ce bordel. Fais pas de soucis, ils ne peuvent rien nous faire. Pour l'instant, je vais couvrir Pogo en attendant le retour de Sparky. Il est scotché. On arrive. Cet ascenseur dessert la salle de contrôle. Il arrive à quel endroit? Juste devant. Oh, vous y êtes. Pourquoi leur demandez-vous pas de nous faire appeler un taxi? Gardez vos remarques pour vous. Il faut être clair. Quand on me demande comment on va au moulin, j'en déduis pas automatiquement que c'est pour aller au four. Pardon, c'est mon côté sarcastique. Mais si l'ascenseur bouge, ils vont tout de suite s'en apercevoir. Exact? Oui. Bonne remarque. Merci. Ok. Le seul moyen, c'est de monter sur le plafond de l'ascenseur et de grimper. Oh, David, vous fixez la barre trop bas. Pourquoi ne pas voler comme Batman? Vous serez mort avant d'arriver. Je tiens trop à vous faire goûter mon omelette. Un petit coup de main. Vite, allez.
maintenant, Wilson. Point sur la situation? Des individus déterminés dont on ne connaît pas le nombre ont mis la main sur le complexe. Ils ont piégé toutes les issues à l'explosif. Mécanisme apparemment sophistiqué. Pour l'instant, une seule victime connue. Un coup des grévistes? Je n'en ai pas l'impression, ces gens-là ne tuent pas. Ce qui semble capital au vu du plan de masse que nous avons... Déjà étudié, et d'après moi, il y a moyen de pénétrer. Mao? Les conduites principales? Conduites principales? Oui, il y en a une qui fait un mètre de diamètre. Elle part des cuves d'écoulement. Il y a un regard à l'extérieur. On peut passer en se faisant tout petit. Très bien, à vous de jouer. Mais si ça tourne mal, c'est moi qui m'en occuperai. Comment ce machin peut s'apercevoir qu'un bain d'acide va détruire les bombes? Ah, t'es capable de te rappeler ce qu'on t'a promis quand viendrait l'heure du partage. 20 millions? Comme pour vous? Alors consacre une infime partie de tes 20 millions à des cours d'informatique par correspondance. Faut y faire, Pogo. T'es aussi malin qu'une poule qui pond dans les toilettes. Foutez pas de moi. C'était juste pour savoir. Petit, ne cherche pas à comprendre comment ça marche. Fais-moi une confiance aveugle, je serai toujours là. Remets-toi au travail et ferme ton putain de clapet. Merci. C'est presque fini, Montesi. Bon, on est pratiquement dans les temps, mais comment ça se fait que Sparky ne donne pas... On est là. Exactement dans le délai prévu. Parfait. On est presque dans les délais. Qu'est-ce que tu prévois pour les otages ? Peut-être les abattre. Pas d'accord. Ah bon? Je crois qu'il faut s'en tenir à ce qui était prévu. Tu es sûr? Absolument. De quoi tu parles? Du plan qu'on Sparky, a pris la peine d'établir. Sparky, non, écoute-moi. Sparky, tu n'es pas payé pour réfléchir. À l'inverse de moi, toi tu flingues, je t'aime quand tu flingues. Et tu m'aimes quand je réfléchis. Entraîne-toi sur ces paumés. Va, mon amour. Alerte. Contamination dans 2h45 minutes. Vous voulez ma photo? Aigle Noir, ici Faucon, on est dedans. 5 minutes prévues pour atteindre salle des cuves. Aucun otage, aucun terroriste en vue. Hey, Sammy, tu sais pas qui c'est qui a gagné la bataille de Yorktown, les British ou Washington? Je sais, Washington. Ah, je voudrais pas te contrarier, mais j'ai un abonnement au Raider Digest et il me semble avoir lu le contraire. Non, mais j'ai pas les mêmes lectures que toi. Ah, tu devrais. J'ai mieux que ça. Je ne critique pas le Raider, mais je préfère les magazines prévus d'abord pour les Noirs. Sous prétexte d'idées libérales, les autres se croient obligés d'en remettre. Les Noirs n'ont que de bons sentiments, alors que les Blancs sont des lâches, hey, les tu pires... te mets à cracher dans la soupe, maintenant? Oui, personne n'est prédestiné au bonheur ou au malheur dans la vie. Laver les chiottes, c'est s'estimer vaincu d'avance. D'avance? Oui, regarde-moi, j'ai décroché un diplôme d'ingénieur. Que tu utilises à des fins criminelles, permets-moi de te le rappeler. Oui, parce que j'ai subi ton influence. Ouais. D'où sort ce déguisement? Bah, ça traînait par là et je me suis dit que je pourrais bosser ici si le crime payait pas. On embauche, monsieur Williams? Ouais, bah, pour en revenir à ce qu'on disait, t'as beau avoir un diplôme d'ingénieur, j'approuve pas ta façon de penser. C'est pas parce qu'elle est blanche que les gens vont voir la Mona Lisa au Louvre. Qu'est-ce que c'est? L'ascenseur provenant d'en bas. Wally, jette un œil. Comme Pogo disait, ça va être dur cette semaine, mais vivement dimanche.
sol, à vous. Bien reçu, Foucault. Aigle Noir, les installations électriques créent des interférences. Attendez-vous à une rupture des communications. On approche de la conduite d'alimentation. Adieu la radio quand on sera dedans. Gardez le contact. Bien compris. Propose changement de fréquence. À vous. Niveau pression d'air en baisse. Il n'y a personne dans l'ascenseur. Peut-être, mais il y a des nouveaux marins à bord. Une conduite d'entrée vient de passer à pression 0 bar. Quelle conduite ? Exactement celle que j'avais prévue. C'est formidable, Samy, parce que ce divertissement va nous procurer tout le temps dont on a besoin. Monsieur commence à faire sous lui. Exactement. En principe, il devrait entrer par cet accès inférieur, là, dans la salle des cuves. La salle des cuves, parfait. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils poursuivent leur progression. Parce que plus ils avanceront, plus nous resserrerons les mailles du filet. Ne bougez pas, sinon je tire. Ah, dites donc, les prochaines minutes risquent d'être amusantes. Dites-lui de baisser son arme. Bien entendu, je pourrais le lui dire, mais ce n'est pas aussi simple. Parce que si vous tirez sur moi, il est probable qu'il va tirer sur vous. Et vous avez de l'entraînement, comme tout flic qui se respecte. Donc, en admettant qu'il tire le premier, vous aurez le temps de m'abattre, car je sens une certaine fébrilité dans votre index. Par conséquent, j'estime que personne ne tirera profit d'un contexte énervant que l'on peut associer à une partie de poker, où chacun mise le gros paquet. Je suis prêt à parier ma vie. Vous êtes prêt à mettre la vôtre sur le tapis? Tu peux baisser ton arme. Oui, oui, allez. Je crois préférable de faire ce que le monsieur nous dit. Allez, pose ton arme. Voilà, c'est tout bon. Si vous me le faites au bluff, je vous signale qu'il m'en faut plus pour me désarmer. Ça va, vous? Ça va, mais je crains qu'il en faille plus pour le désarmer. Un geste, tu es mort. Bon, allez, bousille-le s'il bouge une paupière. Niveau moins 9. Comment ils progressent? Je les capte en visuel. Tu peux estimer leur position? Ils se dirigent en droite ligne vers la galerie. Parfait. Niveau moins 6. Il semble que ma quinte flush batte votre paire de valets, non? Et ce que vous voyez là, c'est ma carte maîtresse. En l'occurrence, un détonateur multiple très perfectionné. Donc si d'aventure je malmenais le dispositif, boum, le vrai Big Bang cosmique à la moindre compression. Ouh! N'est-ce pas magnifique? Tout est prêt pour arroser le gazon. Envoie. Alerte générale, bâtiment cuve tampon. C'est un piège, ils ont ouvert les vannes. Avec nous.
Tant pis, je l'appelle. Ça a l'air de sonner. Rogers? Ah, je ne vous ai pas envoyé d'invitation au bal, je crois. Vous jouez un jeu dangereux, mais bref, qu'est-ce qui vous tourmente? Mes hommes, pour le moment. Un malheur leur est arrivé. Je vous demande au moins de secourir les blessés. Je crains que les secours n'arrivent trop tard. Non, non, ils auront surtout besoin de prières, de cierges, de messes de requiem, vous voyez ce que je veux dire? Pourriture. Qu'est-ce que vous me chantez là, Roger? Vous aimez enterrer vos camarades tombés au feu. Vous adorez toutes ces pompes, tous ces apparats, tous ces... ces drapeaux qui flottent au vent d'automne, tous ces... ces mouchoirs, tous ces voiles, tous ces... Je vous en prie, écoutez-moi. À partir de maintenant, je joue franc jeu avec vous. Ah, que voilà une bonne, très bonne nouvelle. J'estime qu'il vaut mieux traiter avec un flic honnête que malhonnête. Alors voilà, dans 2 heures, je dis bien 2 heures précises... Nous ferons un communiqué contenant, bien sûr, la liste de nos exigences. Nous attendrons ce communiqué. Mais nous aimerions une preuve de votre bonne foi. Oh. Libérez quelques otages. La petite fille et ses grands-parents, au minimum. Oh, le monsieur me demande de relâcher les 2 vieux et leur petite fille. Non. Non. Ne relâcher une si gentille petite famille, c'est purement inacceptable. Pensez donc. L'avantage de les garder parmi nous, c'est comment dire... Mais ça confond l'imagination. Libérez-les. Vous nous forcerez à mettre le paquet pour le faire nous-mêmes. L'argument tient debout. Petite miette d'un côté et rien de l'autre, c'est bien ça? Vous aurez vos otages. Leur libération offrira une jolie toile de fond à notre petit manifeste. Je vous demande quelques secondes de réflexion pour les modalités. Merci. Bon, ils se présenteront à la porte d'entrée nord. Et je ne veux plus voir l'un des vôtres dans l'établissement. On n'avait dit pas de témoin. Pourquoi ça change? Parce que j'ai jugé qu'il fallait changer, que c'est moi qui décide. Hé hey, alors, foiré! Un flingue! Sparky, tu vois dans quel état il est? Non, je vois rien d'où je suis. Descends voir si ce putain de flic a son compte et tu n'hésites pas dans le cas contraire. Tu as vu comment ce type a plongé? La vache, ouais. Tu es-tu au bord du précipice ou tu t'écrases au fond? C'était le dilemme. Il doit être par là. Tiens, j'ai besoin de la coupe. Dépêche. Tu vois cette aiguille? Ouais. Si elle passe au-dessous de 5 ou au-dessus de 20, tu m'appelles. Au-dessous de 5 et au-dessus de 20. Ok, pas de problème. Bon. Au-dessous de 5 et au-dessus de 20. Au-dessous de 5 et au-dessus de 20. Au-dessous de 5 et au-dessus de 20. Ah. Au-dessous de 5 et au-dessus de 20. Autant expliquer Hamlet à un singe mongolien. Au-dessous de 5 et au-dessus de 20. Au-dessous de 5 et au-dessous...
Votre attention, messieurs, dames. Nous allons faire un petit jeu. Il y a eu beaucoup de tension dans l'atmosphère, donc on va jouer pour se détendre un peu. Alors, voilà les règles. Je pose une question à l'un d'entre vous, et si j'ai la bonne réponse, il y aura plus qu'un paquet de bonbons. Vous, dites-moi quelle est la capitale du Wisconsin. Madison, bien sûr. Bravo, tous mes compléments. La réponse est exacte. Je libérerai immédiatement ceux d'entre vous qui portent des chaussures blanches, noires ou marron. À vous de choisir. Des chaussures noires. Bonne réponse. Wally, trie ceux qui portent une paire de chaussures noires et relâche-les. Hé, c'est lui qui a trouvé. Faut les libérer comme les autres. Ok. Tu as bien fait de parler. Je vais te poser une question à toi aussi, en trois parties. Je veux trois réponses exactes. Si tu les trouves, ceux qui portent des chaussures marron et ceux qui portent des chaussures noires seront libérés. Allons-y. 1. Quelle est la superficie en kilomètres carrés de l'État du Wisconsin? 2. Quel surnom porte ce même État? Et 3. Dans quel fleuve se jette le Wisconsin? 3 secondes pour répondre. Le surnom que porte... Stop, stop! Terminé. Je regrette infiniment. Pas une seule réponse. 145 439 kilomètres carrés. Le Badger State et bien entendu le Mississippi. Je me demande ce qu'on leur apprend à l'école à ces enfants. Que de la merde, de la merde. Détache quand même cette jeune fille. Je veux pas m'en aller sans vous. Bon, allez, ça va. Sauve-toi, mignonne, allez, sauve-toi. Du calme, les gars. Sûr que ça va marcher? Je sais parfaitement que ça dépasse ton imagination, mais ce travail demande une extrême concentration, que le seul son de ta voix est en train d'ébranler! Je posais la question. Comment on peut apprendre des choses si on ne demande rien? Tu vas voir comment. La langue de l'homme blanc est son pire ennemi. Vieux proverbe indien. Laissons-leur croire qu'ils seront bientôt libérés. Ouais, si. Ouais, facile de crâner avec un flingue. Vous me parlez? Tu joues les Superman parce qu'on est menottés. Pris le ciel de jamais me rencontrer dans un parking. Oh, il y a un petit gars qui pète les plombs, Wally. Bien que je sois assez bargeot de tempérament, j'aurais jamais dit un truc pareil. Ne hâtons pas les choses, Wally. On a encore le temps de poursuivre le jeu. Ok, jeune homme aux boucles d'oreilles et aux cheveux, blondasse sans rien, crado. Je vais te poser une question qui te vaudra la liberté si tu y réponds. Ça sert à rien. Un télo, hein? Bon, légèrement plus difficile. Un objet dont la masse fait approximativement 10 grammes se déplace à peu de choses près à 400 mètres secondes. Quel temps faudra-t-il à cet objet pour parcourir, disons, 1,20 m? Un 200ème de seconde environ? Ouais, c'était le dé. Faudra peut-être s'activer. Sparky, où en es-tu? Qu'est-ce que je fais s'il est encore en vie? Je te le ramène? Explose-lui le crâne comme un œuf! Tu vas enfin finir de nous gonfler. T'as du cran, je suis bien obligée de l'avouer. T'es beau gosse aussi, je regretterai peut-être de t'avoir... Ah, un bras de jalousie, des fois. Ah!
Sors quand t'es bon. Rien de cassé? Non. Disons que c'est plutôt dans la tête que ça se passe. On reparlera de ce sujet devant une bonne bouteille de vin. Sparky, j'aimerais entendre ta voix. Sparky, attendez. Sparky, répondez. Sparky, je veux un contact permanent. Répondez! Alerte, contamination dans une heure. Monsieur Turner? Tiens, ça lui t'arrive bien. Pose-moi ça là. Vas-y doucement. Où est Pogo? Parti avec le premier chargement. Vivement dimanche. Ah ouais? On va pouvoir se reposer. Où t'as appris à te battre comme ça? Oh, 5 frères aînés autour de la table qui attendent la salle de bain le matin. Et puis le camping, les nuits sous la tente, ça aide. Comment ça se présente? Impeccable. On entame la dernière ligne droite à fond de train. Et la marchandise? Oh, on la surveille, mais elle n'existe plus si on en croit les ordinateurs. Plongée dans un bain chimique. Parfait, on attaque la phase finale. On file là où tu sais. La semaine a été dure. Vivement dimanche. T'as compris quelque chose? En gros, à part le bain chimique. Bref, il s'agit d'un dispositif de sûreté chargé de détruire les documents sensibles. Des trucs du fédéral, mais aussi des obligations de divers états. Le bâtiment se trouve à un bon kilomètre du complexe. On l'aperçoit d'ici. Il devait parler de ça. Il s'apprête à filer. Il faut absolument sortir d'ici. Stop! Ils sont deux maintenant. Plus on est de fous, plus on rit, non? On s'était perdus, ma biche? Tant mieux. Notre sortie de secours, superbe, hein? Y a pas à dire. Où ça mène? Ça va se jeter dans les puits de vidange. Tu te rappelles pas? Les puits de vidange pour le trop plein d'eau. C'est profond? Oh, une centaine de mètres, comme un terrain de football. Chut. Un vrai gouffre, ce truc-là. Je suis pas froussard, mais ça me fait froid dans le dos. Peut-être que je n'entendrai même pas tomber. Oh. Vraiment impressionnant. Je tiens malgré tout à vous présenter mes excuses les plus sincères. Les otages, eux, ont une petite chance de se tirer d'affaire. Oui, enfin, minime, devrais-je dire. Mais la vôtre est égale à zéro. Vous serez mort avant même de le savoir. Dernière parole à prononcer? J'ai laissé un petit discours du genre dans ma table de nuit. Mais je me ferai un plaisir d'aller le chercher si vous y tenez. Très amusant. J'ai là une capsule de chlore. J'aurais aimé entendre votre petite copine vous expliquer les dégâts que ça cause au système respiratoire, mais j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous important. Il ne faudrait pas que je rate le bus. Sortir d'ici, sinon c'est l'asphyxie dans les minutes qui suivent. Je veux dire que je m'en doutais un peu. Tiens, à toi de jouer. Galère, une chaleur de four dans ce bordel. Où est Samy? Il a bossé dur comme toi, fallait qu'il prenne du repos. Ah. Tu veux du jus de fruits? Ah. Ça te rafraîchira. Ah, c'est pas de refus. Ça en poudre. C'est du pur. Tiens, Wally. J'en garde un peu pour moi. Qui sait?
autres. Non, 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 pas entre nous. Je veux seulement te voir mourir. La beauté de la mort m'a toujours fasciné. Bonne nuit, petit prince. Je suis vraiment un type épouvantable. Épouvantable, mais riche à millions. Enfin. Monsieur le chef d'exploitation. Monsieur le directeur. Oh, Williams. J'ai à vous parler. Voilà. C'est un moment douloureux pour vous et moi, mais hélas, les bonnes choses ont une fin. Je tiens à vous remercier du fond du cœur avant de partir. Vous vous êtes montré très hospitalier. Appelez-moi sans faute si vous venez par chez nous. Ferme ta gueule, espèce d'enfant de pute! Les cinglés comme toi méritent de pourrir en enfer pour l'éternité! Tu n'es qu'une bête! Une bête malfaisante! Indigne du genre humain! Là, vous me faites mal. Parce que si vous me piquez, je ne saigne pas. Si vous me chatouillez, je ne ris pas. Si vous m'empoisonnez, je ne mourrai pas. Et si je tire sur vous, ça ne fera pas un trou. Marchand de Venise, nous avons beaucoup de points communs. J'aime Shakespeare. Alerte, contamination dans 30 minutes. Ce fou va réduire le complexe en miettes si je n'interviens pas. Et comment? En allant le chercher là où il est, dans les galeries. Ce sont des capteurs. Le phénix renaît de ses cendres. Ce sont malgré tout des capteurs. Si quelqu'un tente de vous suivre, toute la baraque saute. Houdini, le surhomme, prochainement dans votre région. Vous n'aurez même pas la joie de donner votre dernière représentation. Ni vous de ressortir vivant de cette galerie. J'admets que l'éclairage est un peu faible, mais je vous signale que c'est une arme, avec des balles dedans. Et j'admets aussi que je vous ai trouvé beaucoup plus intéressant. Dernièrement, dites-moi ce qui pourrait me priver du plaisir de vous tuer. Un raz-de-marée ? Nous avons bourré la galerie d'explosifs. Ah. Si je vois la moindre petite goutte de flotte qui viendrait à suinter au fond de ces galeries, ce sera la fin du monde. L'apocalypse pour vous. Pourquoi ne pas me confier le détonateur si je vous laisse filer? Je n'inonderai les galeries qu'après votre départ. Vous tenez à poursuivre la partie de poker, hein? Pourquoi pas? À condition de jouer selon mes règles. Je vous confie le détonateur, vous courez sauver les pauvres otages, vous allez encore plus rapidement à la salle de contrôle et vous dites à vos copains d'interrompre les manœuvres. Pourquoi? Pour l'excellente raison que j'emmène la demoiselle avec moi. Quand nous serons à mi-chemin de la galerie, là seulement je vous la rendrai. Je peux tout aussi bien y aller à sa place. Non, pas question. Alerte, contamination dans 5 minutes. Je vais y aller. David. Vous passez ou vous jouez? Le détonateur. Bien. Nous faisons tous deux une bonne affaire. Bien. Allez. Bien, ma belle. Hop, attrape.
une section. Halte. Tenez, passez ça. Vous risquez d'attraper froid avec cette humidité. Bonne journée. Hein. Tout le monde est fatigué. Vous serez bientôt chez vous. Un bon bain, un massage, effectué par votre nounours adoré. Ça va de soi. Allez, on traîne pas. Allez, Mike, j'ai pas le temps. Tiens, tu vas descendre là-dedans. Allez, va. Va. Baisse la tête. Descends, descends, descends. C'est ça. Allez, 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 allez. Stop. Parfait. Vous pouvez pas trouver mieux comme planque, hein? Ça m'étonnerait qu'on réussisse à te trouver. Je serais bien resté avec toi, mais prudence oblige. Pendant qu'ils me courront après, je les observerai du bord de la mare aux canards. Là. C'était sexy. Oh, la vilaine. Devrait me fâcher, mais ça m'excite comme un fou. Tu sais ce que feront tes copains quand ça se mettra à couler? Ils vont tous se carapater. Mais toi, tu resteras coincé, tu crèveras comme un rat. Pas moi. Faut que je me sauve, j'ai rendez-vous. Moi aussi, mes copains m'attendent. Sale pédé. T'as aimé ça? Plutôt crevé. Ça va pas tarder. Merci pour le baiser. Adieu. Dépêchez-vous de libérer ces pauvres gens. Alerte. Contamination dans une minute. On a pris soin de... Oh, c'est fini, tout va bien. Excusez-moi d'aller la retrouver. Merci. C'est une vraie histoire de dingue. Inspecteur Otard, on vient de retrouver le directeur. Ils l'ont abattu. Pas de trace de chaise. J'inspecte les niveaux inférieurs. Non, c'était pas là. Lieutenant Rogers, tous les otages ont été libérés. Pas de nouvelles de l'inspecteur Chase. Bien reçu. Je n'ai pas le choix, il faut ouvrir les vannes. S'il reste des petits lapins dans le clapier, je leur conseille plus que vivement de bouger leur petite queue et de cavaler vers le lieu de regroupement, parce que la marchandise est là et que moi je n'y serai plus dans 2 minutes. Tout va bien.
peu mieux. On fait l'inventaire du camion? Oui, ça va. Obligation? Titre au porteur, plus précisément. Ça vaut plusieurs millions de dollars garantis par le gouvernement. Ah, quand même, quelqu'un est venu à ma petite fête. J'attendais plus d'invités que ça. Trop excité! Bon, on se calme. Je sais pas qui vous êtes, mais vous devriez laisser tomber et disparaître à jamais. J'ai pas confiance. Tu me laisserais partir, toi, un flic? Non, ton heure est venue. Dieu l'a voulu ainsi. Il nous a voulu, là, vous et moi, à cet instant précis. Et la transition entre la vie et la mort est rapide. Que la volonté de Dieu soit... Comme les préservatifs, ayez toujours un gilet pare-balles sur vous. Puisse le Seigneur me pardonner de me substituer à son divin bras séculier. Pousse-toi, va t'asseoir à côté! Notre voyage de noces va commencer. Par une bombe. Vivement dimanche. Journée quelque peu mouvementée, tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de ta vie. Tu veux rigoler? Depuis la grève, des petites plaisanteries comme ça se produisent toutes les semaines. Qu'est-ce qui pourrait rester gravé? Peut-être ta fameuse omelette. We'll be right back.
Oh, my.